Salut à tous, c'est Damzou sur Europe Universalis 4 avec l'Autriche et la situation est un petit peu plus compliquée que prévu là. Vu que les gens ne votent plus pour moi, malgré le fait que j'ai une grosse autorité impériale, là les gens ils ont plus aucune envie de me respecter. Ça me plaît pas, moi j'aime pas quand on me respecte pas et là je me suis pas respecté du tout. Je ne suis pas un empereur respecté, donc toi il faut que je te désactive, toi il faut que je te désactive. En plus, ils essaient de plomber mon budget. Non mais franchement quoi, mais 15 forts. Comment vous voulez qu'on finance 15 forts? Et j'ai perdu quand même beaucoup aussi en stabilité. J'ai perdu sur beaucoup de choses, sur beaucoup de fronts là. Un accès militaire pour toi si tu veux, un accès militaire pour toi si tu veux. Palatina, ils vont revoter pour moi bientôt. En plus, pourquoi est-ce qu'ils votent pour la bohème, quoi? Non, franchement, les mecs, la bohème, ça se respecte pas, la bohème. Ok, j'ai une cité cliente, en plus, qui a disparu. Hop, on va regagner un peu de points. 58. 30 personnes qui ne votent pas pour moi. Brandebourg, ils vont pas voter pour moi, de toute manière. Alors, rappelez-moi vos alliés. C'est Brandebourg et Clèves. Clèves, j'en ai rien à faire de eux, ils peuvent perdre. Et ouais, c'est super long. Là, franchement, je suis détesté de l'Empire. Moi, je suis sûr que c'est mon général fumé qui est mort. Non, mes deux généraux étaient fumés, donc là, j'ai rien dit. Les deux étaient fumés. Saxe, on est à 55, on va arrêter. On va interrompre le processus. Parce que là, je voulais attaquer la Munster. Et que Brand. Ah bah. J'ai plus de casus belli contre eux. J'en avais un pour. C'est qui l'autre allié Munster? Ils ont que Munster. Bon, bah, de toute façon. J'ai plus. Mais comment ça se fait que j'ai un mariage royal? Il est mort, mon mec. C'est pas normal ça. Je suis pas censé avoir un mariage royal avec eux, mon roi est mort. Alors. C'est où l'option déjà? C'est où l'option impériale? Ah là, c'est là. Hop. Lönnbourg maintenant, tu vas être gentil, tu vas me donner ça. Alors, l'alliance entre nous, c'est pas grave, elle va péter. Ça, c'est pas grave. Aucun souci avec ça. Et je vais même l'enlever moi-même. Quoique, si je revendiquais. Je vais revendiquer une province chez Munster. Ça pourra peut-être passer. Oya. Je vais tenter ça. Je vais essayer de revendiquer une province et de passer par là. C'est une province pourrie ici ou quoi? Bah, elle est à Graz alors. Si mon armée de mercenaires est pas capable de se reconstituer là-bas, ça sert à rien de les laisser. Mes finances sont plutôt très mauvaises. Surtout que j'en plus j'ai une dette. Et une grosse dette. Ah, au moins l'inflation est en chute libre. Enfin, chute libre, façon de parler, mais elle chute. La S. Oh non, les mecs, abusez pas, quoi. Il y a tout l'Empire qui veut me tuer. Eux, je les ai foutus électeurs et ils sont pas contents. Donc là, le but, ça va être attaquer eux. Ils ont même mangé Brême, la ville de Brême. Et j'ai pas le droit de faire un casus belli pour ça? Ah, les mecs, vous êtes saoulants, quoi. Passez votre temps à bouffer votre voisin. Oh, ouais, vous non plus, vous m'aimez plus trop en ce moment. Le mariage royal, il est en place au moins? Ouais, bon, bah améliorer les relations. Est-ce qu'on va essayer de lancer la colonie autrichienne? Je sais pas, là, franchement, ça commence à être chaud la situation. Et eux, ils me kiffent pas trop non plus. D'ailleurs, est-ce qu'à un moment, on va pas avoir une petite fusion des familles royales?
Et non, pour l'instant, ils ont un héritier, donc ça sert à rien. D'ailleurs, est-ce que ma... Ah, j'ai déjà un héritier d'ailleurs. Qui est un peu en dessous. Pas mauvais, ça va, ça va, ça va. Ça se passe bien. Putain, mais même là-bas! Ah voilà, va à Belowar. Putain, c'est quoi cette province de fou? Toscane, tu veux un accès militaire, je te le donne. Toi, est-ce que t'es en train de réussir à tout intégrer? Tu fais des navires au lieu d'un... Mais pourquoi tu fais des navires au lieu d'intégrer tes territoires? Ferrare, 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 mais... Toi, t'es reparti en guerre contre qui? Brunswick et la Hanse. Est-ce que je dis la Brandebourg, il s'enflamme un peu trop, la Bavière qui attaque Hansbach. Bon, là, je pense que je vais passer un long moment à m'amuser là-dessus. Et par contre, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ça. Ils en sont à 35, il me reste donc 65 mois. Je gagne moins de... Tous les 2 ans, je fais 2 points. Si je peux trouver des events qui augmentent ta légitimité, bah, va falloir tracer de les faire. Ça augmente les coûts des navires, non. Non, talent diplomatique, et ça non plus. Dans le caca. Alors, est-ce qu'on peut faire la guerre à Oya? C'est juste une conquête. Non, faut vraiment que je passe que par eux. Ok. Première chose, on dissout l'alliance. Et j'ai brisé les liens royaux. Conseiller Rotor. Ouais, faites-moi gagner ça. Même mon prestige, il a chuté, quoi. C'est une blague. Mon mariage royal avec toi, il est en place. On va l'oublier pour l'instant. J'ai des bonnes relations. Ben, je vais commencer par t'insulter. Tiens, d'ailleurs, je peux pas te faire toi un de mes rivales. J'aurais bien fait de Brandebourg un rival, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Le 9 août pour le vérifier. Ok, à cause du mariage royal. La France et Saxe viennent m'aider. Bon, bah on va briser le mariage royal, qui normalement aurait dû être brisé parce que quand mon roi est mort. Allez, briser. Prestige, moins 1, ça je m'en remettrai. La stabilité, par contre, ça coûte très cher. Et bah maintenant, ça va être l'attaque. Ouh, qu'est-ce qu'elle fait là, l'armée de la Castille? Oh putain, oui, là tu fais pas une guerre contre n'importe qui, toi. Mais en même temps, hein, les mecs, vous avez quitté l'Empire, hein, je peux plus vous protéger. Ok, donc c'est parti. Libération impériale, parce que là c'est la méga libération impériale. Là, on va tout libérer, hein. On gagne de l'argent, je peux payer ça, il me reste 36. On va te positionner là-bas. Ah, la France qui attaque la Bretagne aussi. Au niveau des armées, ah bah ils ont que dalle. J'attends juste que mes mercenaires soient au point pour y retourner. Et ça veut pas avancer plus que ça. Ah, qui a fait quoi maintenant là? Ces colonnes, ils ont attaqué qui, colonnes? Non mais oh, les mecs, vous allez finir. Arrêtez de bouffer vos voisins. Je vous rappelle que le but du jeu, c'est pas de bouffer tous vos voisins. Ça, c'est le mien. C'est pas le vôtre. On va prendre un plus un pour l'instant. Quoique, est-ce que je suis... Non, j'ai une doctrine, donc il faut que j'économise. Quoique, le temps que l'argent arrive, autant prendre ça en attendant. Au niveau des sciences, on est à 15, 15, 15 partout. Donc, on va privilégier... Non, je vais attendre que celui-là... Non,
J'ai privilégié là où j'ai une doctrine. Ok, toi tu prends ben. Ah oui, c'est ce que je dis, c'est mon général psychopathe qui est mort. Alors l'armée de Brandebourg, elle est cachée où? Ils ont forcément une armée. La question c'est où est-ce qu'ils la planquent? Elle doit être planquée chez la Hanse. Cap sur la Hanse. Ah bah elle est planquée ici en fait. Ah bah l'air de rien, je pensais pas qu'on galérerait autant contre une armée de Brandebourg qui m'avait l'air aux abois. On se replie s'il vous plaît. Ah ok, en même temps j'ai pas mis de cavalier, j'avoue. Peut-être falloir que j'y mette 2-3 cavaliers dans cette armée. Allez, 4 cavaliers. Direction Linz. Là, on se regroupe. Ça fait une plus grosse armée. Déjà, 28 000 hommes. Ils peuvent supporter. On va juste attendre 2-3 mois que le moral revienne tout seul. Palatina, on s'est bien remis avec eux. On va refaire un long copain-copain avec ceux-là aussi. Vu que maintenant on compte sur eux pour voter pour nous. Et je vais reprendre mes casus belli contre les copains ici. Ah bah c'est dommage, je les avais tous. La France, on peut pas compter sur eux avant un petit moment. Au moins au niveau relations, on est bien remis. Alors attendez, je vois que tout de suite là c'est la lassitude de guerre qu'on fait un tout petit peu. Là il y a combien? Là il y a 10% pour eux. Là c'est Zis avec Zeta. Pourquoi Zeta? Qu'est-ce qui se passe en Zeta? J'ai rien d'important à part l'intolérance que je peux rien faire pour l'instant. Allez c'est parti, on y retourne. Donc là, vous allez vous prendre le général 2. Enfin, l'armée 2.0, vu que maintenant j'ai mis de la cavalerie. Ils sont combien? Ils sont 9 en unitaire. Et ben nous aussi, on est 9. Donc là, l'armée 2.0, elle passe. Ouais, bon, elle passe pas large non plus, hein, mais elle passe. Et fuit sur Anhalt. Après Anhalt, il fuit vers où? Vers Potsdam. Et là, c'est important, c'est quelle direction fuit-il? Ils vont dans un fort par là-bas. Ils n'ont pas de fort là-bas. Non, ils fuient juste à Breslau. Alors vous, croyez-moi, vous allez les recracher, vos provinces. Et ben, ah, ils ont 2 000 hommes encore. Eh ben, hop, je te laisse des hommes ici. On va tout faire tomber. S'il vous plaît, la Saxe, ne bougez pas. Parce que si vous bougez, vous me faites tomber tout. Vous allez faire annuler tout ce que vous avez fait depuis le début. Ok, il faut faire le tour du monde. Là, la Hanse, ce qu'ils me font là-bas, ça me plaît pas. C'est-à-dire, est-ce que la Hanse... J'aimerais bien quand même... C'était quoi le but de la guerre? Hop. Comme ça, ils reprennent leur territoire. Est-ce qu'il y a un fort ici? Non, non. S'il n'y a pas de fort, ils peuvent reprendre leur terrain. Moi, ça me gêne pas. Ils reprennent leur terrain, s'il vous plaît. Comme ça, je peux tout libérer. On attend que tout ça tombe. Vous regroupez ici. Non, quoi que si, on peut bouger. Altmark occupé par Brunswick. Il faut qu'il me récupère celle-là. Allez, récupérez-moi ça. Toi, tu vas du coup. On va passer là-bas. Comme ça, je prends tout Brandebourg pour moi.
Nickel, je suis arrivé le premier. C'est plus toi de tomber. Tac, et on va à côté. Et voilà, comme on dit, il n'y a plus de chômage à Brandebourg, ils sont occupés. La Bavière, qu'est-ce qu'ils ont fait les Bavarois encore? Enfin, et quand je dis les Bavarois, je suis même pas sûr que je m'adresse qu'à eux. Hein. Prestige pendant les batailles. Attends, elle a presque ce point du ce talent diplomatique en plus. La Bavière, ah bah ils ont pris Ansbach. On en est à combien? 13 contre 25. Ouais. Voilà, en gros, c'est ce que je dis, c'est l'effort. Un fort, ça fait 50% de trucs. On va attendre ça. Bon, derrière, on va enchaîner Bavière. Vous retournez à Linz tout de suite. Alors, libération en Alt-Mecklembourg, ça fait un petit peu plus que t'es prévu au départ, avec des réparations de guerre. À mon avis, vous êtes relativement pauvre. Vous donnez quand même 200 en liquide, c'est pas mal. Et tu rends ça à la Silésie. Ça à la Silésie. Et tu vas abandonner deux revendications. Est-ce que maintenant vous voulez voter pour moi 16-25? Il y a des nouvelles voix pour moi. Donc ça, Ansbach. L'argent, on n'en a jamais assez. 64, ça me fait toujours plaisir. Parce que maintenant, on va se... Milanaise. Ça, c'est eux. D'ailleurs, je les fais rentrer dans l'Empire, c'est bon. Donc là-dedans, c'est... Ah, la Bavière, ils sont dans la coalition. Ça me gêne un petit peu, par contre. C'est moins drôle. Cologne. Cologne, ils sont alliés à qui? Trèves, déjà. Est-ce que je peux toujours attaquer Trèves? Non, j'ai plus de casus belli pour Trèves. Donc pour libérer Mayence, il faut que j'attaque Palatinat ou Liège. La Cologne, Clèves. Ici, est-ce qu'il y avait un pays avant? Münster, Nassau, S, c'est pas trop grave comme ça. Et Clèves, vous pouvez ramener qui vous? Magdebourg et Liège. J'ai des bonnes relations avec eux. En même temps, ils votent pour moi. C'est sûr que c'est un peu gênant. Mais ici, je suis à combien? Je suis à 19. Pourquoi est-ce que je suis à 19? Non, on devrait être à 20. Là, on a libéré beaucoup de monde en haut. C'est Ansbach qu'il faudrait que je libère. Mais comment je peux libérer Ansbach à cause de cette coalition pourrie? En fait, il faudrait que je me lance simplement contre l'Ottoman. Mais la France ne vient pas pour le moment. Et quand la France ne vient pas contre l'Ottoman, on attend. La Hongrie et ses coalitions. Milan, j'y touche pas pour l'instant. Donc toi, tu retournes faire copain-copain avec la Suisse en attendant. Voilà, après ça c'est le souci, c'est quand... Qu'est-ce qui se passe là entre l'Angleterre contre l'Écosse? Bon, apparemment l'Écosse est en train de prendre une légère fessée. Vous allez vous mettre en position là-bas parce que je pense que ça va se rebeller. Si vous pouviez être sur place, ça m'arrangerait. Et en plus, c'est même pas une si grosse province que ça. Je peux même pas y stocker mon armée. Ouais, si tu veux, revendique-moi quelque chose, l'Hongrie. Alors, on est parti. Voilà, au revoir cette armée-là aussi. Ma stabilité est vraiment très basse par rapport à ce qu'elle devrait être. Albanie, l'Albanie. Est-ce que l'Albanie a de réelles raisons de se révolter? Pas plus que ça, mais tel qu'on les connaît, ça a pété. La France. J'ai plus de mariage royal avec la France.
Par contre, j'ai toujours ce bordel là. Une baisse de la productivité pendant 10 ans, je survivrai. Toi, je vais te mettre à Ragus pour l'instant, sera très bien. Et l'armée, on va financer beaucoup moins. Alors, Geldre ou perd deux autorités impériales. Geldre, ils font quoi déjà? C'est quoi le drapeau de Geldre déjà? Geldre, c'est un truc très moche. Je dis ça au hasard de toute façon. La Hanse, Tretch. Geldre à hauteur de plus 20. Donc si ils votent à plus 20 et qu'ils perdent moins 30, ça veut dire on s'en foutra un petit peu ou c'est juste 5 ans. Allez, on va essayer. J'ai regardé pour une fois, ça fait quoi ça? La Hongrie qui attaque la Valachie, allez vous faire plaisir. La coalition dans l'Empire, faut qu'elle disparaisse. Vous avez aucune raison de pas m'aimer, ça c'est pas vrai. Ah, hop là, bah voilà, j'ai plus de général. Réglé. Par contre, est-ce que j'ai une bonne tradition? 35. Non, pas spécialement. Eh ben ça y est, je la fais passer. Donc ça là, ça augmente mon budget. La prochaine, ce sera quoi? Interdire les guerres dans l'Empire. Ça, c'est intéressant déjà. Hein, les mecs? Mon budget, est-ce qu'il a beaucoup augmenté? C'est les vassaux qui font ça? Ferrare, non. Brandebourg. Les cités libres me rapportent 1, nation indépendante 1. Ah, sinon c'est le Geringer qui fait 1, 1, 6 par mois en plus. Donc il y a force. Si ça va péter quelque part, ça j'en suis sûr que ça va péter. Donc, on va attendre. Donc ça, je vais pouvoir la prendre très prochainement. Et du coup. Distance de colonisation. Est-ce que j'ai vraiment un truc intéressant pour coloniser? Est-ce que je suis à portée de ça? 600. Mais la France n'est toujours pas lancée dans les colonies. En fait, il y a vraiment un gros avantage pour cela, c'est pour ces pays-là. Lui, il règne sur aucune nation coloniale, lui non plus, et lui toujours pas. Ah oui, ils ont peut-être bien modifié les capacités des colonies. Brunswick a attaqué Oya. Merci les mecs. Alors franchement, vous me faites plaisir. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre con qui va buter son voisin. Missionnaire plus 2. Et là, normalement, on va pouvoir commencer à faire ça. 50 mois, ça reste extrêmement long. Bohème dans la coalition. Mais bien sûr, ça me fait plaisir. Donc toi, tu vas essayer de me sortir la Bohème. Ta 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 ta. Alors, qui est dans la coalition et qui a un espoir de sortir très vite? Modène. La Hongrie, non, à mon avis, j'ai pas d'espoir avec eux. Brandebourg, ils vont me détester prochainement. Le Danemark. La Suisse, ils vont être positifs. Allez, je vais me lancer dans les idées d'exploration. Je pense qu'on peut lancer une colonie. J'ai décidé, je me lançais. Quoi? Pouvait arriver là, il y aura peut-être des risques de révolte, mais et je vais pas donner la moitié de mon empire comme ça va donner autant de points gratos. Hein. Il n'y a pas marqué pigeon sur mon visage encore. Mes limites d'armée, on est quand même 70 000 hommes. Je trouve pas que j'ai une armée trop faible. Si jamais ça veut péter, je suis censé pouvoir me défendre. Tyrol qui a un... J'ai
développer Tyrol, un truc de fou, quoi. Bah non. Ah non, ça c'est les coûts d'am... Ils sont classés par coûts d'amélioration, d'accord. Non, j'ai pas un de prestige. La Moscovie qui m'a mis en rival. Bah si je suis le rival de la Moscovie, alors. Je suis même pas sûr qu'on ait une frontière commune, les mecs. On va se calmer un peu, hein. Bohème, je suis sûr qu'on peut remonter ça dans le positif. Déjà, la Suisse, c'est fait. On est positif. La Suisse, c'est bon. Meiningen. Parce que l'air de rien, Meiningen, c'est 8000 hommes. C'est rien, 8000 hommes. Mais 8000 hommes, quand c'est ajouté à notre armée, ça peut devenir très chiant. Il n'y a pas de fort. Donc le plus chiant est fait. Mariage royal avec la France, je prends. Je suis toujours à la recherche d'un event positif pour améliorer ma légitimité. Allez, ce serait cool que vous mouriez. Déjà, on a piqué l'Albanie aux infidèles et il se passe rien. C'est une province à 22. On va tout de suite couper ça, comme ça, ils vont pas nous faire chier. Ignore il est, prestige. Là, c'est la série noire des événements négatifs. Ils sont en coalition, j'en suis sûr. Oh, attends, ils ont une super province en développement, eux. On va retourner vous planquer à Ragusa, l'armée d'intervention. Je vais devoir prendre celle-là. Sauf qu'au lieu de l'avoir au rabais, je vais l'avoir que à moins 5%. Oui, je pensais que j'aurais pu faire mieux. Allez, un petit effort, les mecs. Il y a bien un voisin qui va prendre la technologie niveau 11. Allez, on se dépêche. On fait des efforts. On prend les technologies niveau 11. Alors ça vote pour moi, ça vote pour moi, ça vote pour moi. Palatina qui vote pas pour moi. Et Trèfle qui vote pour Palatina. Ouh, 31! Ok, maintenant... Ah ouais, quand on est en paix, on a un petit bonus, ça c'est intéressant. Ok, il faut toujours 25 étapes pour voir. Ouais, là, il n'y a qu'à laisser faire, ça va se passer tout seul pour l'instant. On est en paix, on est bien. Hein, on ne veut pas tuer son voisin, les mecs, pensez-y. Tuer son voisin, c'est mal. Alors, le prochain, Meiningen, c'est fait, ce sera Ulm. Et là, on prend à 5. C'est laquelle? Tolérant des hérétiques. Non, m'intéresse pas. Mais arrêtez de me proposer des trucs nuls. Est-ce qu'elle vaut le coup? Colonial, militaire, galère, les flûtes. J'ai envie de tenter de prendre l'exploration. Comme ça, je vais pouvoir tester si oui ou non je peux tenter la colonisation ou non. Parce que si je me souviens bien, on va faire les calculs. Quand je l'ai fait avec l'Écosse, j'avais pas la Picardie. Je sais même pas si j'ai fait avec les Pays-Bas, je sais même pas si j'avais Calais à l'époque. Quoique j'avais peut-être Calais. Mais j'ai fait à partir d'ici. Et je l'ai fait à peu près à cette époque-là d'ailleurs. Là, ici, il n'y a rien. La prochaine, c'est la 11. Faudrait que j'attende ma science de niveau 11 pour le faire. D'ailleurs, bonne question. Ils partent de où, au fait? Si je vis cette province-là, ils partent de où? À Corfou. Il vise celle-là. Par contre, quand je vise ici, à la vue, c'est pas Corfou, c'est celle-là qui prend. Crois que là, j'ai envoyé un de ces souffles vers le micro, je suis désolé. Ou alors, je fais partir mon armée de... En fait, je fais quoi, là?
façon. Je peux pas faire une guerre. Peut-être l'Angleterre, mais. Ça, c'est peut-être intéressant. J'attaque l'Angleterre, mais je vais vassaliser la Bretagne. Ça peut être une idée. J'attaque et je vassalise la Bretagne. Tiens, au passage, j'ai mon capacité de siège. Ah, talent diplomatique, ça va faire du bien. Normalement, on va améliorer les votes ici pour moi. Mais je sais que là, je vais faire durer parce que. De toute façon, 380 fois 2, ça me fait encore. J'ai 40 points pour réfléchir. Encore un peu de temps. Mais peut-être que l'attaque de Calais vaudrait le coup du coup. L'Angleterre. Est-ce que l'Angleterre a toujours sa flotte de guerre monstrueuse? Enfin, pas monstrueuse, mais sa flotte de guerre. Ils ont 5 gros navires. Je peux y tenter de me financer une flotte? Ah non, justement, parce que. Quoique si, j'ai les caracs. J'ai les caracs. Je me fais une guerre contre l'Angleterre, comme ça je me prends Cornouailles. Ah oh non, si je prends Cornouailles, ça va me coûter un bras. Je peux pas me financer Cornouailles. Là, il faut vraiment que je prenne Calais. En prenant Calais, j'aurai un peu plus de vues. On verra ça dans le prochain épisode, ce que je vais faire. Allez, on se quitte ici. Merci de m'avoir suivi. Ciao à tous!